Salut, salut, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo carte. Alors, j'ai déjà les mains pleines d'encre parce que j'ai déjà préparé, j'ai anticipé en fait ma vidéo. Voyez, j'ai donc reparti. Du coup, on va utiliser les fonds que j'ai fait avec, vous savez, les liquides pour t-shirt de chaque fond. Et ça m'a fait penser aux abeilles, à l'été, tout ça. Alors du coup, on va partir là-dessus. Du coup, j'ai pris ce set de tampons. Je crois que c'est un set de tampons de chez Action. Je crois. J'en mettrai pas ma main à couper, mais je crois que c'est un set de tampons de chez Action. Et on va utiliser le nid d'abeille ici et les petites abeilles là. Voilà. Et puis, pourquoi pas utiliser ce tampon-là pour le sentiment. Pourquoi pas. On va voir. Je suis désolée, le pollen. Ça me tue, j'arrête pas de tousser et ça me fatigue. Mes énergies commencent à me fatiguer franchement et j'arrête pas de tousser et tout et c'est super désagréable pour vous comme pour moi, je vous rassure. Donc surtout pour moi d'ailleurs parce que c'est moi qui l'ai subi et franchement c'est la galère, la galère, la galère. Enfin bref, nous la repartie. Du coup. J'ai pris ce fond-là, donc j'avais le choix dans les jaunes, j'avais le choix entre celui-ci et celui-ci. Mais celui-ci, on s'en servira pour autre chose. On va prendre celui-là parce que je trouve que là, pour le coup, ça représente bien les abeilles et tout, et tout, et tout. Alors, on va prendre ce tampon nid d'abeille que je vous ai dit, et on va prendre une plaque acrylique. Qu'est-ce que j'en ai fait? Elle est là-bas. Alors, ils sont tellement bien collés que j'ai du mal. Allez, décoller du truc. Voilà. Je voudrais une lingette pour passer un coup sur mon bloc acrylique, s'il vous plaît, monsieur, dame. Merci bien. Voilà. Je pète un dard toute seule. Je suis extrêmement fatiguée à rien faire. Et ça, c'est encore pire que pire. Et du coup, je déraille encore. Du coup. On est reparti, je mets ma carte ici, je prends mon fond, je mets de l'encre sur mon tampon. Alors je le fais comme ça, on peut le faire dans le sens inverse. C'est aussi bien. Voilà, et on va tamponner. Alors là, je vais partir. Comme ça. Voilà, et je vais en remettre un deuxième. Alors, je ne sais pas si je le colle ou pas. J'aimerais bien réussir à l'intégrer comme je faisais avec l'autre. Voilà, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Alors, on va nettoyer notre tampon. Je ne sais pas si vous avez eu de l'orage chez vous, mais alors nous, on a eu quelque chose de bien. Quelque chose de bien salé. Qui a bien claqué. Maurice, il était en colère. Et bah du coup, même ce matin, quand je me suis levée à 8 h, on en avait encore un et c'était juste incroyable. Ensuite, on va revenir à ma carte. J'ai préparé avant toute chose les fleurs. Donc, j'ai coupé les fleurs avec Dyes. Je ne sais pas si je l'ai encore ou si je l'ai rangé. Non, il est là. Avec ce Dyes-ci et. Ma perfo Créalia, donc celle-ci, elle vient de chez Cultura. Je l'aime beaucoup parce que on peut faire plusieurs fleurs avec en fait. Et après on les monte comme on en a envie. Donc j'aime bien ma perfo, j'aime bien mes dyes. Du coup j'utilise souvent les dyes et la perfo aussi. Alors, et on va venir les coller sur la carte. On va prendre la colle de précision et on va venir les coller sur cette partie-là en fait. Donc je les ai travaillés un petit peu avant. Je les ai préparés avant parce que j'avais pas envie de vous embêter avec la création des fleurs pendant la vidéo. Après vous auriez peut-être voulu les voir. Hein. Vous me dites en commentaire si vous voulez que je vous montre comment j'ai colorisé ces fleurs-là. C'est possible. Et dedans, vous voyez, j'ai remis les petits strass. Je sais pas si vous vous rappelez ceux-là. Donc sur les jaunes, j'ai mis les strass orange et sur les oranges, j'ai mis les strass jaunes. J'ai interverti. Voilà. Celle-ci, elle est de couleur. Je trouve ça super sympa. Alors pour être honnête, je n'ai pas pris les encres Action. J'ai pris mes encres Stampin' Up.
parce que les encres action, elles sont un petit peu séchées. Et j'ai du mal à avoir des couleurs bien tapantes en fait. Alors du coup j'ai pris les couleurs de chez j'ai pris les encres de chez Stampin' Up. Mais vous pouvez le faire avec les encres de chez Action bien sûr. Vous pouvez les faire avec avec les encres de chez Action, il n'y a aucun souci. De toute façon, moi je vous dis, hein, il faut toujours adapter avec ce que vous avez à la maison. Alors certes, on vous présente peut-être des produits que vous n'avez pas forcément, mais c'est adaptable à tout. Moi je sais que j'utilise beaucoup les produits Action. J'ai des encres Stampin' Up parce que bah, j'ai été démo pendant un moment, donc ça fait que j'en ai beaucoup. Donc voilà, donc je les utilise de temps en temps. Pas forcément vidéo parce que c'est vrai que vous n'avez pas toutes les encres Stampin' Up, mais en fait je vous dis, vous prenez, vous vous adaptez avec ce que vous avez à la maison. Faut vraiment pas vous embêter. Voilà. Après c'est vrai que moi je les aime bien mes encres Stampin' Up, j'avoue. Et pas parce que machin, puisque je ne suis plus démo. Donc voilà. Je vous le dis parce que c'est vrai quoi. C'est quand même des encres de qualité. Faut pas se voiler la face là-dessus. Voilà, je veux dire, les encres de chez Stampin' Up, c'est les encres de Stampin' Up. Puis en plus, on peut les recharger, donc c'est quand même pas négligeable. Donc voilà, moi je les aime bien. Mais après, chacun fait ce qu'il peut et ce qu'il veut. Moi, les encres Action, je les ai toutes. Je les ai même en plusieurs fois. Mais je voudrais bien les terminer avant d'entamer mes autres packs. Ce serait dommage d'entamer des packs... alors que je peux encore les utiliser. Est-ce que ça tient? Ouais, ça a l'air pas mal. On va venir y mettre les feuilles. Alors, voyez les feuilles, je les ai fait avec le verre de chez Action, par exemple. Parce que j'avais flemme de chercher mes verres de... Bon, sur ma tourelle, j'aurais pu les sortir facilement, mais j'avais pas envie de m'enquiquiner. Voilà. Vous savez très bien que moi, moins je m'enquiquine, mieux je me porte. Voilà. Que ça va rendre bien, hein. J'avais un doute. J'ai pas fait d'essai, je l'ai fait comme ça avec vous, mais j'y ai réfléchi avant. Là j'ai mis les encres sur les deux côtés, je sais pas pourquoi, mais ça fait bien en fait, parce que je me dis que si on repique un peu la feuille, au moins en dessous c'est colorisé, là c'est ancré. J'adore le rendu, je trouve que ça fait vraiment été, ça fait vraiment tout quoi. J'adore. On va la mettre là. Celle-là, elle veut pas tenir. Elle m'enquiquine. Voilà. On va la passer sous cette feuille, sous cette pétale. J'aurais pu mettre des pistils, mais moi, j'aime bien mettre des strass. Je trouve que ça habille la carte. J'aime bien. Alors, on va mettre des petites abeilles. Des toutes petites. Alors, est-ce que j'ai... ouais, j'ai ça. Pas la peine de prendre plus grand vu qu'elles sont toutes petites, j'ai même encore plus petit, mais j'ai peur que plus petit je me trouve de l'encre partout. Mon voisin est super gentil, je l'adore, mais qu'est-ce qu'il est bruyant. Voilà, ça c'est bon. Je suis désolée, hein. Là ça je peux rien y faire, il a décidé de tondre sa pelouse. Et il faut apprendre à vivre avec son voisinage. Moi, personnellement, j'ai rien contre mon voisinage. Oh, flûte, j'ai raté mon ramponnage. Alors, est-ce que je vais réussir à le remettre, du coup? Du coup, ça va perturber son histoire. Ouais, c'est bon. Voilà, un petit peu dédoublé, mais c'est pas mal. Mais oui, le pire, c'est que je m'en mets plein les ongles. Voilà. Ben, moi, écoutez, moi, j'aime beaucoup. Alors, on va peut-être y mettre un sentiment. Je sais pas ce que vous en pensez. Ma boîte à sentiments, elle est là. J'ai pas envie de le tamponner. Je vais regarder ce que j'ai en... Parce que je trouve que ça, ça fera trop gros dessus. Du coup, on va s'abstenir de mettre un si gros sentiment. Hein? Je pense, ce serait pas plus mal en fait d'en mettre un tout petit. Je nettoie mon tampon, je nettoie mes doigts. Je vous jure,
J'ai de l'encre plein les ongles. Vernis gratuit. Bon. On va trouver un sentiment net là-dessus. Ok. On prendra pas plus bas. Et après, on collera la carte sur 500 de carte. Alors, vous voyez, j'en ai coupé plein. Ils sont tous là. Ils sont tous dedans. J'ai même un dice qui traîne. Je sais c'est lequel. Hein. Il traîne là parce qu'il faut que je le range. Et ça, c'est pour pas le perdre que je l'ai mis là. Oh, comme trois pommes. Ça, c'est trop gros. Chouette moment. Ça peut être sympa, ça. Chouette moment. Chouette moment. Je t'aime plus que tout. Journée inoubliable. Après, je pourrais faire moi-même aussi. Mais bon, j'ai flemme d'écrire. Vous allez dire, mais quelle feignasse celle-là. Arrête pas de dire qu'elle a flemme de faire ci, flemme de faire ça. Okay. Ah, ça c'est sympa. J'aime ta poésie. Avec des petites abeilles et tout. Je trouve ça plutôt. Voilà, je prends ça. Donc Audrey, t'as vu, si tu passes par là, tu me sers de ta boîte. Alors. Mon voisin est adorable. Je vous jure, il est adorable. Mais qu'est-ce qu'il est bruyant. Je peux dire ce que je veux, de toute façon il connaît pas ma chaîne YouTube, il sait même pas que j'ai une chaîne YouTube. En même temps dans ma ville, je crois qu'il n'y a pas. Il y a personne qui me suit, je crois. Donc et ça me gêne pas plus que ça en fait. Parce que c'est pas une grande ville et honnêtement j'aime ma tranquillité, j'aime vous avoir vous. Et voilà quoi. Il pluche le truc, alors du coup ça fait crasse-pouille. Il pluche leur truc là, de chez Action, là, hein, les noirs. Allez, on va le mettre ici, mais on va le mettre en 3D. Oh là là, Mika! Je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. Je suis désolé, désolé, désolé pour ce bruit du coup. Je suis vraiment navré, vraiment navré. Je cherche mes mousses 3D. On va prendre. Ah bah, elles sont au-dessus du rouleau. J'allais dire, je vais prendre le rouleau et en fait, elles étaient dessus. Alors, toujours les petits bouts hein, que j'utilise. Hein. Comme ça, ben, il n'y a pas de perte. Vous voyez, ça me fait le double en fait de mousse 3D puisque je récupère aussi l'entourage. Pas de perte, pas de gaspillage. Au moins comme ça j'utilise toute la feuille. Je le mets en 3D, ça va être sympa. Hop. Du coup, je suis contente. Hein, les copinettes, elles ont reçu leur truc. Kat a reçu son éventail. Audrey, elle a reçu ses petits cadeaux. Donc, je suis super contente. Je crois que Scrapso, c'est pareil. Elle a reçu un petit cadeau. Parce qu'elle m'en a fait un. Alors, du coup, j'en ai fait un aussi. Et du coup, voilà. Alors, voilà, moi je trouve ça super sympa, je sais pas ce que vous en pensez, et on va venir la coller sur une feuille, enfin sur une carte craft. Je vais en créer les bords, mais pas avec le truc là, je vais prendre ça, et je vais prendre la vintage photo, ce sera pas mal, je pense. Regardez, ça rend plutôt bien.
J'ai changé mon téléphone de place et du coup, j'ai plus l'impression d'être dans le champ quand je suis chez... J'ai changé mon appareil photo de place, enfin mon téléphone de place, et du coup, j'ai plus l'impression d'être dans le champ, donc ça m'enquiquine un peu. Je redis ma phrase parce que j'étais un gros mot juste avant et du coup, je vais pas le laisser le gros mot. Hein. C'est pas joli, donc j'aime pas. Et des fois, je les laisse parce que voilà, ça passe discret, ça passe crème. Mais là, il était vraiment très très gros ce que j'ai dit. C'est pas beau, pas beau, pas beau du tout. Donc voilà, mais bon, je le reconnais, hein. Des fois j'ai beaucoup de bêtises, donc faut faire attention. Alors, puis alors en plus quand je suis fatiguée, donc j'en dis encore plus, comme la dernière fois. Vous vous rappelez la dernière vidéo, j'étais crevée, j'ai pas arrêté de dire des âneries et de rigoler toute seule. Et ben là, c'est la même. Ah, oh, ça va, j'espère qu'il va s'arrêter parce que ça va vraiment me faire du bien à mes oreilles et à ma tête. Alors bien sûr, quand on met de la superposition comme ça, après pour coller le fond de carte, c'est un peu la galère. Mais vous prenez un bloc acrylique et vous vous en servez en appuyant sans toucher vos fleurs et tout, et ça passe crème. Hein. Vous avez vu? Vous voyez vu? Ouais! Alors là, celle-là, elle était bonne. Mon fils l'a pas entendu. Vous voyez vu? Ah non, il l'a pas entendu et il vaut mieux pas qu'il l'entende parce qu'il va encore la noter et ça va ressortir au repas du 31 décembre. Ça. Non, merci, ça va aller. Je me fais afficher à chaque fois le 31 décembre parce que mon fils ressort les pépites que j'ai dit dans l'année. Et celle-là, il l'a pas entendu et ça me va très bien. Donc, faut pas qu'il regarde la vidéo parce qu'il va la noter. Voilà. Donc, ouf, elle était costaud celle-là de maman Rite. Hein, parce qu'ils appellent ça des maman Rite. Après les ribérites, les maman Rite. Donc voilà, voilà ma petite carte, j'espère qu'elle vous plaît, moi je suis fan, je trouve le rendu des fleurs mais juste trop beau, du coup on en fera avec d'autres parce que j'ai encore des fonds et j'ai encore celui-là, je sais pas si vous vous souvenez, j'ai encore celui-là, j'ai, alors celui-là il est rien du tout. Et vous savez, j'avais fait la grande feuille là où j'avais tout lâché dessus là pour voir ce que ça donnait. Et ben regardez, j'ai coupé et voilà ce que ça donne. Et honnêtement, je suis super contente. Ça va être trop beau comme fond. Donc moi, je vais les utiliser aussi. Donc voilà. Donc il me reste encore quelques fonds à faire des cartes. Donc je sais pas si on les prend. Je sais pas si je les prends en vidéo. Je sais pas. Dites-moi si vous voulez les voir en vidéo. Je vous les ferai en vidéo ou pas. Comme ça au moins pour pas que ce soit Et puis j'ai encore celle-là aussi. Pour que ce soit pas répétitif au niveau des vidéos, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous voulez voir encore des vidéos avec les fonds, je vous les ferai. Voilà, voilà. Bah écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt et surtout prenez soin de vous. Allez, bye bye.